Bonsoir. Enfin non, bonjour. Oui, parce que la vidéo sortira un matin. Donc, le bonjour est de rigueur, n'est-ce pas? Ça change, bah que voulez-vous? Bonjour. On est normalement dimanche matin. La vidéo sort à l'occasion du Weekend Gold. Voilà, il y a des nouveautés tout le temps avec Sephora. Je me suis renseignée auprès de Sephora et j'ai su que ce week-end, il y allait avoir un code spécial pour les membres qui sont en statut Gold. Le statut Gold, c'est les personnes qui dépensent beaucoup chez Sephora, dont moi. Oui, il faut un minimum de 1000 points, il me semble, dans l'année. Ce qui équivaut pour la première année à environ 1000 euros de dépenses chez Sephora, oui. Et ensuite, il faut un minimum de 700 points par an pour garder le statut Gold, à savoir quand on dépense les points durant la soirée Gold. Soirée Gold, ça c'était avant, durant la journée Gold ou la semaine Gold ou le week-end Gold, eh bien les points sont doublés. Donc là, effectivement, garder le statut Gold, c'est un petit peu plus facile que de l'acquérir. Des fois, ils piochent au hasard des personnes à qui ils offrent le statut Gold. Bref, avoir un statut Gold, ce n'est pas une fin en soi, je préfère le préciser. Moi, je suis Gold parce que j'achète beaucoup chez Sephora, fatalement. Mais voilà, il y a des alternatives. Si vous n'êtes pas Gold, pas de panique. Vous avez les sites revendeurs directs des marques, Charlotte Tilbury, Pat McGrath. Enfin voilà, dans tous ces sites-là, il y a des codes promo, Fuel Unique, Look Fantastic, Beauty Bay. Enfin, il y a encore plein de sites comme ça. Voilà, il y a des alternatives. Là, je vous fais donc une vidéo spéciale wishlist et recommandations pour les personnes qui sont déjà Gold et puis qui ont envie d'avoir quelques idées et quelques avis sur les produits que j'ai déjà testés. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et voilà, j'ai décidé de vous sortir la vidéo ce dimanche matin parce qu'a priori, il y a le code Gold qui sera disponible en ligne uniquement dès ce dimanche matin et ça normalement jusqu'à demain lundi 10h. Donc voilà, après cette vidéo-là n'est pas perdue puisque en général je la laisse en ligne pour les prochaines journées, soirées, semaines, week-end gold, je ne sais plus. Voilà, donc j'ai déjà fait deux autres vidéos de ce type. Donc je ne vais pas revenir sur les produits dont je vous avais déjà parlé en recommandation dans ces vidéos-là, mais je vous mettrai les deux vidéos dans la barre d'infos, comme ça si vous avez encore envie d'avoir plus de produits en recommandation, plus d'avis, bien vous aurez les vidéos à disposition dans la barre d'infos, et je les remettrai aussi à disposition dans le i, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour avoir les anciennes vidéos, donc en général c'est des produits un peu plus anciens, mais voilà, comme ça vous aurez toutes mes recommandations, je ne vais pas revenir sur tout, sinon la vidéo va durer 1h30, l'intro est déjà assez longue comme ça, donc je vais tout de suite commencer par mes recommandations, puis je vous parlerai de ma wishlist enfin, parce que je pense que le plus important pour vous, bah, c'est peut-être mes recommandations. Peut-être que vous êtes curieux de savoir sur quoi j'ai envie de craquer aussi, à savoir la wishlist est beaucoup trop longue comme d'habitude. Donc c'est parti. Je ne vous avais pas encore parlé d'un produit de Charlotte Tilbury et pourtant je l'ai depuis un bon moment et j'ai vérifié a priori, je ne vous en avais pas encore parlé en recommandation parce que je l'avais acheté directement sur le site Charlotte Tilbury mais maintenant il est disponible chez Sephora. Je me dois quand même de commencer par Charlotte Tilbury puisque Charlotte Tilbury est une marque exclue et donc je ne l'ai pas précisé mais ce code Gold normalement nous offrira moins 25% sur toutes les marques. Et le plus important, bien sûr, c'est les marques exclues, même si j'en profite parfois aussi pour prendre d'autres produits, puisque les points sont doublés. Bref, j'ai essayé d'appliquer un maximum de produits favoris, là, de recommandations sur mon visage, et je me rends compte que j'ai pas utilisé cette petite merveille de palette. Je suis bête. Oui, je suis bête. Bon, c'est pas grave. On va en rajouter, c'est pas grave. Donc voilà, le premier produit dont je vais vous parler, c'est cette palette, et c'est la Filmstar Bronze & Glow de Charlotte Tilbury. Elle est pas toute nouvelle, elle est pas toute récente, cette palette-là, mais voilà, je vous en avais pas encore parlé, et c'est une de mes palettes duo teint favorites, vous savez, mon amour pour la marque Charlotte Tilbury, donc voilà, on a un bronzer ici, et un highlighter ici. Voilà, toujours les mêmes arguments que j'ai pour cette marque, hein, la finesse des poudres. Le highlighter n'est pas un highlighter hyper highlightant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très fin, de lumineux, mais d'imperceptible. Voilà, comme d'habitude avec Charlotte Tilbury, voilà la teinte du highlighter et la teinte du bronzer. Je vais vous les swatcher, bien sûr. La poudre est ultra fine. Je crois que je préfère encore ce bronzer-là que son super glow, là, celui qu'elle avait sorti en gros coquillage. Voilà la teinte du bronzer et la teinte du highlighter. Bon, le bronzer, c'est vrai que j'utilise plus en hiver. C'est un bronzer qui est quand même assez froid et qui est très, très,
très jolie. Voilà, j'adore cette palette de duo. Bon là, le highlighter que j'ai mis, c'est un autre highlighter que j'ai sorti dans ma rotation make-up de Natasha Denona. A rien à voir, mais c'est une bombe, le Face Glow de Natasha Denona. C'est pas une marque exclue, bref, je l'adore absolument, il est magnifique. La rotation make-up, elle arrive, ça sera la prochaine vidéo, du coup. C'est pas grave, hein. Je vais rajouter un petit peu de cet highlighter-là par-dessus. Et voilà. De quoi rajouter une super belle lumière. Écoutez, cela fait aujourd'hui. Autre produit Charlotte Tilbury dont je parle quasiment tous les mois puisqu'il fait partie de ma routine dans mon make-up que j'utilise tout le temps, c'est le Flawless Filter, Hollywood Flawless Filter. C'est un produit multi-usage, c'est un produit hyper fin, c'est un produit qui s'adapte super bien aux carnations puisqu'il y a vraiment tout un panel de teintes sur ce produit-là. Donc voilà, vous pourrez vraiment trouver celui qui vous convient le mieux. Moi j'ai la teinte Light, la teinte numéro 2. Voilà, ce produit-là, une fois qu'on l'a testé, je pense qu'on ne peut plus s'en passer. Voilà. C'est un produit qui arrive comme ça avec un embout mousse. Et on peut l'utiliser de manière tellement différente. Moi, je l'utilise soit en base, sous mon anti-cerne, pour rapporter de la lumière. Là, je l'ai utilisé en base, voyez, pour apporter de la lumière au niveau du highlighter. C'est magnifique. Et on peut l'utiliser, bien sûr, en base aussi, sur tout le teint, si on veut un teint lumineux. Voilà, c'est hydratant, c'est fin, c'est super beau. Je vous montre évidemment la teinte. Il est juste ici, c'est sublime. Je l'ai tout le temps à portée de main parce que je vous dis, pour moi c'est un indispensable, un incontournable de mon make-up. Autant c'est un investissement, mais on en a pour un bon moment parce qu'on a quand même un grand conditionnement. Je crois qu'il y a 30 ml là-dedans, donc autant vous dire qu'on en a pour un bon moment. Donc ça c'est ma deuxième recommandation. Je reste chez Charlotte Tilbury et je vais vous parler d'une nouveauté et j'ai vérifié, elle est chez Sephora et c'est un de mes rouges à lèvres favoris en ce moment. C'est son Nude Romance et aussi bien pour le packaging, gardez-moi cette tuerie intergalactique, il n'y a pas d'autre mot, il est magnifique, voilà, estampillé CT avec des strass partout sur le packaging, c'est tellement beau, voilà, c'est sa teinte Nude Romance et si vous aimez les rouges à lèvres nude avec des sous-tons un peu pêche, vous pourrez aimer ce rouge à lèvres là. Voilà, la teinte de ce rouge à lèvres et le raisin avec des petits cœurs dessus. C'est sa formule Kissing. Donc la formule Kissing de Charlotte Tilbury, c'est la formule crème hydratante. C'est pas un rouge à lèvres mat, c'est un rouge à lèvres crème. Donc du coup, hyper confortable. Et c'est ma formule préférée perso. Donc moi, je l'adore ce rouge à lèvres là, vraiment. C'est vraiment un gros favori du moment. Donc je le mets absolument dans mes recommandations pour ce Weekend Gold. On va passer à quelques petits produits de chez Sephora maintenant. La marque Sephora est une marque exclue. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est la petite marque exclue. J'avais fait l'acquisition lors de la dernière soirée gold, enfin semaine gold, décidément, de leur pinceau anti-cerne. C'est le donc pinceau Pro Airbrush Cancellor anti-cerne au fini naturel. C'est le numéro 57, c'est celui-là. Il est sale, j'utilise assez régulièrement, je viens de l'utiliser. Et c'est un pinceau qui est quand même relativement grand. Et donc si vous aimez mettre votre anti-cerne en deux coups de pinceau, tac tac, et ben celui-là il est top pour ça parce que j'aime beaucoup le fait qu'il soit ni trop souple, ni trop dense. Il est parfait pour appliquer l'anti-cerne, je trouve. Il est assez gros quand même, je vais vous montrer la différence avec le pinceau de Zoeva. Le pinceau Zoeva qui faisait partie de mes recommandations. Voilà, le pinceau de Zoeva, le 146 de Zoeva, il est comme ça. Et le 57 de Sephora, il est comme ça, pour vous montrer un petit peu la différence de taille. Voilà. Le pinceau Zoeva, vous savez que je l'adore parce qu'il a cette forme parfaite aussi. C'est deux favoris pour moi. Donc voilà, je voulais mettre celui-là dans mes recommandations parce qu'il est très très bien. Les pinceaux pro de Sephora sont vraiment bien. Un autre produit Sephora, c'est le eyeliner liquide intense waterproof. Ce sont ces liners-là dont on n'entend pas beaucoup parler et je vous ai déjà parler de ces liners-là, personnellement, j'aime beaucoup parce que sont des liners colorés. Il y a pas mal de teintes de disponibles. Voilà la pointe. C'est une pointe très fine et assez souple hein, qui permet vraiment un tracé ultra précis, ultra fin. Vous voyez, ils sont très pigmentés. Et ça, tout particulièrement, c'est la dernière teinte dont j'ai fait l'acquisition. C'est la teinte Satin Dusty Rose, la teinte numéro 07.
C'est celle que je porte sur mes yeux actuellement et je trouve que ça, pour la saison, bah, ça change du noir, ça, voilà, ça donne une autre dimension au make-up et je trouve qu'ils tiennent très bien. Il y a plein de teintes disponibles dans ces petits liners-là et voilà, avec les 25% en plus, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Voilà, ces petits liners fonctionnent très bien. De base, ils sont pas chers et en plus avec les moins de 25%, c'est top. Et dans le même genre, et je crois que c'est la même teinte, ce sont les crayons pour les lèvres. C'est pareil, je vous en ai déjà parlé, mais là, c'est une autre teinte que j'adore. Ce sont vraiment des crayons petit prix. C'est pareil, avec les moins 25%, je veux dire, pourquoi aller chercher plus loin? C'est la teinte 06, c'est celle que je porte sur mes lèvres également. Et voilà, ce sont des crayons rétractables. Et ils ont une super pigmentation, une très bonne tenue, ils s'appliquent merveilleusement bien, vous voyez. C'est crémeuse, mais pas trop. Donc voilà, ils sont juste parfaits ces crayons-là, c'est des dupes, je trouve, des crayons Kat Von D, tout simplement. Et donc, avec ce crayon pour les lèvres, donc en teinte, je sais pas si je vous l'ai dit, la teinte c'est la teinte 06, pink soufflé, je l'adore. Et sur mes lèvres, j'ai rajouté, bah pareil, hein, Fenty Cream, ça c'est pareil, je vous ai bassiné avec ces produits là, sauf que là bah, c'est une autre teinte dont j'avais fait récemment l'acquisition et je m'en lasse pas de ces produits. C'est hyper confortable, ça colle absolument pas, ça sent quand même sur les lèvres parce que c'est une texture quand même un peu épaisse, mais elle ne colle pas. Donc voilà, sachez-le, c'est pas ultra fin, mais du coup ça a une super belle pigmentation et cette couleur elle est sublime. C'est la dernière que j'ai prise et c'est la Mauve Wives. C'est un mauve un peu froid comme ça, je vous montre l'embout, il est comme ça, l'embout des Gloss Cream de Fenty Beauty. Et voilà donc la teinte swatchée, c'est très très joli. Du coup on reste chez Fenty Beauty et évidemment je vous parle d'un ton que les moins de 20 ans. Je vais vous parler du Haze Drop, le Blurring Skin Tint, le fluide teinté de Fenty Beauty. Voilà, je l'ai en teinte numéro 5, c'est encore ce que j'ai mis aujourd'hui sur mon teint. Je l'adore, ce produit. Je vous en ai déjà parlé, reparlé, re-reparlé. Donc vous savez que c'est un produit ultra fin qui permet d'unifier le teint tout en légèreté et flouter les pores et parfaire le grain de peau. Vraiment, c'est magnifique comme produit. Donc après, si vous cherchez un produit couvrant qui va vous donner un aspect, voilà, qui va vous cacher les imperfections, etc., c'est pas le produit qu'il vous faudra. C'est un produit hydratant. Là, je l'ai mis sans aucune base en dessous. Ça me suffit à lui tout seul. Ce truc-là, il est génial. Je peux le mettre partout sur mon teint. Je peux le mettre au niveau du cerne. Ça fait pas de surépaisseur. Il est fantastique. Ce truc est génial. Moi, je l'aime énormément. Voilà, il faut vraiment voir aussi en fonction de vos besoins, de vos goûts. Encore une fois, ce sont mes recommandations. Et j'essaye de vous décrire le produit. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Je l'adore. Hein. Si vous aimez les fluides teintés, ils vont parfaire le grain de peau. Voilà. Vous pouvez vous pencher sur ce produit-là. C'est une merveille, je trouve. Par contre, je précise que pour choisir la teinte sur le site Sephora, c'est vraiment pas évident. Donc, allez sur le site de Fenty Beauty Riri. Elle a bien fait les choses. Ça vous permet de mieux choisir, je trouve, la teinte qui vous correspondra. Donc, voilà. Et on reste chez Fenty Beauty. Je fais les choses bien. Et je vais vous parler du contour pour les yeux. Alors, celui-là, c'est aussi un de mes gros favoris. C'est vraiment une recommandation que je vous fais. C'est un petit tube comme ça, très simple, de Fenty Skin. Donc, la marque de skincare de Fenty Beauty. De Fenty... De Rihanna en fait. C'est un tube de 15 ml, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai en soin de jour. Il est ultra frais, il est fondant, c'est une crème qui pénètre instantanément dans le contour des yeux, qui ne laisse pas de film gras, qui laisse un aspect frais sur le contour des yeux, qui hydrate super bien. Je l'adore, je pense que je vais m'en reprendre un parce que je pense que je l'ai bientôt terminé. Et je l'adore absolument ce produit. Gel crème vivifiant, c'est tout à fait ça. Ça fait un aspect frais et ça c'est tellement une valeur ajoutée sur un contour des yeux. Ça fait vraiment du bien et je l'adore. Donc grosse recommandation aussi. Je continue sur les contours des yeux du coup et je vais vous parler du contour de Ole Henriksen. Je sais pas si c'est une marque exclue Ole Henriksen mais c'est pas grave. Bref, celui-là aussi, je l'ai beaucoup aimé, le Wing Curl Blur. Celui-là, je l'ai plus utilisé en contour des yeux pour le soir. J'ai mis celui-là en soin de jour, celui-là en soin de nuit. Parce qu'il est plus riche, je trouve, que le Fenty Beauty. Donc, il va vraiment bien nourrir le contour des yeux. Et il va avoir tendance à laisser un petit film gras.
sur le coup, mais qui disparaît ensuite. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré le Fenty en journée, mais j'ai adoré aussi le Henriksen, Ole Henriksen le soir. Voilà, je trouvais vraiment ce combo au top. Mais voilà, ça c'est une recommandation si vous cherchez un soin de nuit. Je pense qu'on peut l'utiliser en journée aussi. Si on se maquille pas tout de suite après, il est très bien également. Un petit crayon pour les yeux maintenant, c'est ce que je porte en muqueuse inférieure et en rat de cils inférieur que j'ai estompé. C'est le Killer Liner de Too Faced que j'ai en teinte caramel. Ces petits crayons là, ils sont top, voilà. Ils sont top, ils ont une pigmentation de dingue, ils sont ultra crémeux, vous voyez. Ça c'est la teinte caramel, j'ai à peine appuyé sur la mine, ils sont pigmentés mais je me répète, de fou, vraiment. Une texture super crémeuse, hyper facile à appliquer, que ça soit en muqueuse, en liner, en rat de cils, j'adore ces crayons. Voilà, le Killer Liner de Too Faced, ça aussi c'est une recommandation gold, ils sont top. Au niveau de mes recommandations maintenant, je vais terminer avec un produit et pas des moindres. Une palette! C'est la palette mouche! Hormis son packaging avec des mouches, cette palette est canon. Je vous avais parlé de la Divine Rose 2, dont j'avais fait l'acquisition avant celle-ci. Et celle-ci, elle est encore... je crois que je préfère encore celle-ci, quoi. Elle est magnifique, cette palette! Qu'est-ce qu'elle est belle! Alors oui, ouais, si vous avez envie de casser la tirelire, de vous faire plaisir, voilà, pourquoi pas? Une palette Pat McGrath. Moi, je suis tombée dedans, je suis mal. Hein. Mais Pat McGrath, voilà... Quand on aime un petit peu bah, les packaging, quand on aime les beaux produits, quand on aime les fards d'excellente qualité avec des fards à effet magnifique dedans, voilà, ça pourrait vous plaire. Et moi, je suis vraiment pas déçue par cette palette-là. Donc voilà, la palette, comment elle se présente. Ça, c'est le petit carton avec les mouches qui l'accompagne. Je m'en remets pas des mouches. Et donc, je vous montre l'intérieur de cette palette. Et je vous donne quand même son nom, parce qu'il y en a plusieurs. C'est la Mothership numéro 6. Voilà la palette. C'est super lourd. Hein. C'est franchement pas la palette qu'on emmène avec nous en week-end. Avec son miroir ciselé. Je n'ai pas encore enlevé le film de protection. J'ai vraiment un problème avec ça. Je suis toquée. Voilà les fards de cette palette. Ils sont fantastiques. On a 3 fards mat. Voilà, les 3 fards mat qui sont ici, moi je trouve que ça suffit, ils sont parfaits. On a les 4 fards ici qui sont fantastiques et en plus on a un marron glacé et un kaki ici splendide. Je vais vous faire quelques swatchs, vous allez voir ce que vous allez voir. Le orange de la palette, je l'adore. C'est évidemment ce que je porte sur mes yeux, j'ai mis 3 fards, 3 fards, voilà. Simple, efficace, rapide, j'adore, j'ai mis le fard doré. Sur mes paupières. J'ai mis le fard mat, là, un petit peu burgundy, en creux de paupières, tout simplement. Voilà. Et j'ai ajouté ce petit fard-là qui est juste tellement parfait en coin interne et sous mon sourcil. Voilà. En 3 coups de pinceau, le make-up était terminé. Donc, je vous ai swatché le vert kaki. Magnifique. Le un petit peu duochrome violet-bleu, qui est un petit peu le fard star de la palette. Et ce fard pailleté avec un fond orangé magnifique, avec des paillettes orange et dorées dedans. Il est splendide ce fard-là. Je l'adore cette palette. Donc oui, je vous la recommande. Évidemment, évidemment, nous ne sommes pas obligés de mettre ce prix-là dans une palette. Voilà, moi je parle à des personnes qui hésitent éventuellement à s'acheter ce genre de palette-là. Au cas où, si ça peut vous aider à faire un choix... Sachez que celle-ci est vraiment très très belle. Voilà pour ma petite mise à jour au niveau des recommandations que je peux vous faire par rapport aux derniers produits que j'ai testés dans les marques exclues et qui pourraient vous donner du plaisir autant qu'à moi. Donc voilà, c'était mes petites recommandations. Et maintenant, on va passer à ma wishlist. Je vais passer assez rapidement sur ma wishlist parce que ma wishlist, elle est beaucoup trop longue. Mais je ferai des choix, je ferai des choix, je ferai toujours des choix. Mais il y a peut-être des choses dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, mais bon, je vais vous redire ce qu'il y a dans ma wishlist. Donc j'ai mon téléphone avec moi. Dans ma wishlist, nous avons le Body Sauce, la sauce du corps de Fenty Beauty. C'est un fond de teint pour le corps. C'est Fenty Beauty, voilà. J'adore cette marque et j'aime toujours tester ces nouveautés, tous ces produits à Fenty Beauty Riri. Donc voilà, je me dis... fond de teint pour le corps, c'est original. Je ne sais pas si je craquerai pour ce produit-là. Est-ce que j'en aurai vraiment l'utilité? Je ne sais pas. Donc voilà, clairement, je ne sais pas, mais c'est dans ma wishlist. Il y a une palette de NARS que je trouve très très belle. C'est la Bronzing Summer Solstice. Moi, les produits de chez NARS, en général, les collections d'été, j'adore. Vous savez que le bronzer de l'année dernière, j'avais adoré. Là, la palette, elle est très très belle. Voilà, j'hésite complètement. C'est aussi des produits que je peux retrouver aussi à moindre prix sur Look Fantastic, les produits NARS, donc je vais voir.
clairement. Mais elle est dans ma wishlist. De chez Tarte, hein, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de produits sur le site Tarte. D'habitude, je les achète sur le site Tarte directement. Mais là, avec les 25%, pourquoi pas? En tout cas, il est dans ma wishlist. C'est le blush crème, le Sea Breezy. Et il y a aussi le bronzer crème. Donc les deux produits sont dans ma wishlist, clairement. Et j'avais mis les glosses à lèvres Sea H2O également de Tarte. Bon, des glosses, j'en ai quand même beaucoup, quoi. Mais bon, voilà, je vous parle de ma wishlist. Je suis en train de réfléchir en même temps. Et au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurai déjà craqué pour... voilà, je pense que j'aurai déjà validé le panier. Mais au moins, ça me permet de réfléchir en même temps que je vous fais la vidéo. Je suis en train de me dire, hey, des glosses, arrête. Bon, j'ai envie de tester, qu'est-ce que vous voulez. Les 6 H2O de Tarte, voilà, ça me dit bien. Il y a plein de jolies couleurs, là, notamment la Sandy Tooze, là, la couleur de fou. Elle est magnifique, cette couleur, l'espèce de orange, trop beau. Bref, orange ensoleillé, magnifique. De Sephora Collection, c'est peut-être pas dans l'ordre, hein. Veuillez m'excuser pour ça, mais on s'en fout. De Sephora Collection, il y a les Colorful Blush, les fards à joues au fini mat et frais. C'est les nouveautés Sephora Collection, j'aime bien tester en général aussi. Mais voilà, encore une fois, il faudra faire des choix. En tout cas, ceux-là, ils sont dans ma wishlist. Il y a la teinte Love in the Tropics. Il y a du corail dedans, corail, pêche, super beau. Super beau. Fini mat et frais. La teinte est magnifique. Ils sont déjà pas chers de base. Je me dis, avec les moins 25%, ça peut être sympa. De Huda Beauty, ces nouveautés. Direct dans la wishlist. C'est évidemment tout ce que j'aime. Un fluide teinté hydratant. Complètement en concurrence avec le Ace Drop de Fenty Beauty Riri, là. Donc c'est évidemment dans ma wishlist. C'est ça. S'il y a encore ma teinte, je pense que je vais craquer, quoi. Je sais pas, j'hésite au niveau de la teinte, mais on verra. Ça s'appelle son Glow Wish, et ça, il y a grande chance, en plus des nouveautés comme ça, voilà, c'est le moment. De Huda Beauty toujours, bien sa poudre bronzante, Glow Wish aussi. Donc ces produits-là, ils disent texture légère, non poudrée, s'estompe à merveille, qu'on a l'impression de rien porter du tout, bref, tout ça, ça me parle complètement, quoi. Ah ouais. Je suis excitée comme une puce, quoi. Je suis pas nette, quoi. Vous me dites si vous êtes comme moi? Dites-moi si vous êtes comme moi quand vous préparez vos paniers, quoi. Dites-moi que je suis pas toute seule. Je sais que vous êtes comme moi. Je sais qu'il y en a. Mentez pas, je sais. De Huda Beauty, toujours, il y a ces crayons à lèvres aussi, donc les Lip Contour 2.0. Et donc, avec ces produits-là, les Power Bullet Cream Glow. J'avais aimé les Power Bullet de base, mais ils étaient quand même un petit peu asséchants. Et là, Cream Glow, c'est tellement tout ce que j'aime. C'est évidemment dans ma wishlist, quoi. Donc, voilà. De Fenty Skin, j'ai mis toute sa gamme de produits skincare. Voilà. Donc, nous avons l'Hydra Visor, la crème hydratante en SPF 30 que j'ai tant aimé en format voyage. Je l'ai mis en full size. J'ai tellement aimé ce produit, quoi. Pareil pour la Fat Water, sa lotion sérum tonifiante, pareil. J'ai tellement aimé aussi, j'en ai d'autres. Le truc, c'est que j'ai envie de tester Drunk Elephant. Donc voilà, je ne sais pas, il faut que je fasse un choix. J'ai mis son vaporisateur rafraîchissant, un format voyage, parce que je ne l'ai pas testé. J'aime bien tester les formats voyage, je ne suis pas téméraire de base. Donc j'ai mis sa brume rafraîchissante, du genre de choses que j'aime bien aussi. De Fenty Beauty toujours, j'ai mis un duo Gloss Bomb. C'est-à-dire, elle est chiante avec ses Gloss Bomb. Oui, quand on aime, que voulez-vous. C'est un duo avec deux nouvelles teintes, la Cupcaking et la Bubble Binge. Voilà. C'est deux teintes super belles. Il y en a une un peu nude rosée et une flashy un peu comme mon haut, mais qui a l'air quand même complètement portable. Donc voilà. De Nars, il y a le bronzer crème poudre bronzante qui était dans ma wishlist. Enfin, il est dans ma wishlist, mais en fait, je l'ai commandé. Je l'ai commandé sur Cult Beauty. Donc voilà, je vous avais partagé le bon plan. Il y a eu 20% sur Cult Beauty. Et je crois qu'il était à 34€ sur Cult Beauty. Et du coup, avec les 20%, ça me revenait presque... Bon, bah, ça revenait à peu près aux 25% sur Sephora. Bref, je l'ai commandé déjà. De Sephora Collection, il y a des nouveaux Color Full, les fards à paupières. Il y a des nouvelles teintes qui ont l'air très, très belles. Je vous avais déjà mis, hein, dans mes recommandations, les fards Metal Effect.
de la marque Sephora Collection. Je trouve très très jolie. Et là, il y a donc des nouvelles teintes un peu marbrées comme ça. Ça me dit bien. Ça me dit bien. Donc, je vais peut-être craquer. Bah, c'est 6,99€ moins les 25%. Je pense que je vais craquer pour une ou deux teintes. Parce que je trouve ces fards très très beaux. De Pat McGrath, maintenant, il y a le Highlighter Glow Divine Rose 2. Skin Fetish Ultra Glow Divine Rose 2. Rien que ça. Voilà, c'est un très très joli highlighter qui est également dans ma wishlist. Bon, je vous dis, c'est une wishlist. De Sol de Janeiro, j'adore cette marque. Il y a une nouvelle crème nourrissante pour le corps et c'est la Boom Dia Bright. Crème pour le corps texturisante et nourrissante à base d'acide de fruits et de vitamine C pour une peau plus lisse et plus lumineuse. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les produits de cette marque. Ça sent en général extrêmement bon. Alors ça, attention, soit on adore, soit on déteste. Ce sont des odeurs très puissantes, très présentes. Donc voilà, je ne pourrais pas vous conseiller ça sans avoir senti d'abord. Parce que je vous dis, c'est soit on adore, soit on déteste. Donc méfiez-vous. Méfiance. En tout cas, moi j'adore. Et ça, cette nouvelle crème-là, elle me dit bien. De Sephora Collection, toujours, il y avait une nouveauté aussi. La poudre de soleil irisée, poudre bronzante irisée. Ça a l'air très très joli comme produit aussi, ça. Notamment la Trip to Haiti. C'est en teinte médium. Je me dis, ça pour l'été, ça peut être pas mal. Très très joli. Il y a une espèce de marbrure de trois couleurs. C'est beau. Les teintes me font penser à une édition limitée de Terracotta de Guerlain qui était sortie comme ça avec trois teintes. Bref, ça m'y fait penser un petit peu. C'est joli comme tout. De Sephora Collection, toujours, il y a un coffret avec des nouvelles senteurs, des nouvelles fragrances de parfums que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Le parfum Donut Drink de Sephora. Et il y en a un à base de jasmin et de baies de rose. Pourquoi pas? Je ne les ai pas du tout sentis. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs odeurs. Je me laisserais bien tenter par un de ces petits coffrets-là. Parce que voilà, c'est pas très très cher de base. J'avais bien aimé celui que j'avais eu à base de qui sentait super bon les agrumes. C'était frais, c'était bien agréable pour l'été. Je me laisserais peut-être tenter par un de ces petits coffrets-là. Dans le coffret, il y a un vaporisateur de 50 ml et une autre miniature de 10 ml. Donc voilà. C'est pas très très cher. Je verrai les senteurs qu'il y a, mais ça me tente bien. Voilà, ça me tente bien, j'adore le parfum. Je suis désespérante. Que voulez-vous? De Anastasia Beverly Hills, il y a sa nouvelle face palette. La palette pour le visage qui me tente énormément. J'adore les palettes pour le visage actuellement. Et voilà, il y a deux teintes. Je me laisserais bien tenter par la plus claire, peut-être. Je sais pas, à voir. En tout état de cause, voilà, c'est quand même une palette qui est pas donnée. De Huda Beauty, on revient sur Huda Beauty. Voilà, c'est pas dans l'ordre. Les deux pinceaux de sa nouvelle collection. Notamment, donc, il y a un pinceau pour le fond de teint. C'est un pinceau qui a l'air d'être assez souple. Et j'aime beaucoup, moi, pouvoir déposer mon fond de teint de façon très, très légère. Donc, il faut un pinceau plus souple pour que ce soit plus diffus. Et il est joli, le pinceau. Il est très joli. Mais il coûte 31€. C'est fou. Mais que voulez-vous? Et donc il y a un pinceau également pour son bronzer et pareil, il est très joli le pinceau. Et moi j'ai la fâcheuse tendance à acheter un produit puis le pinceau qui va avec parce que je trouve ça joli. Voilà, vous dites que je suis désespérante, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi que je suis pas toute seule aussi à aimer faire ça, mais bon, j'en ai plein des pinceaux aussi, il faut que je choisisse. De Olaplex maintenant, les fameux produits Olaplex, eh bien toute la gamme. J'ai envie de tester ces trucs-là, donc voilà, je me dis pourquoi pas. Bien que ils sont aussi en vente sur Look Fantastic, donc il va falloir que je fasse mes petits calculs pour savoir si c'est plus intéressant sur Look Fantastic ou sur Sephora. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Pourquoi payer plus cher? De Hourglass maintenant, nous avons le Vanish Blush Stick. Donc c'est un blush en stick qui coûte 52€. Donc clairement, ça, je ne l'achèterai pas sans les 25%. Je vois qu'il y a déjà plein de teintes qui sont out of stock. Donc je pense que ça va être mort. À mon avis, ça va être compliqué. Mais voilà, celui-là était dans ma wishlist également. On verra bien s'il y a un renouvellement de stock d'ici là. De Kat Von D Beauty, j'ai mis sa nouvelle palette dans ma wishlist. Alors je sais, c'est pas une marque exclue, mais j'en parle quand même, puisque on est dans la wishlist. Et c'est la Planète Fanatique palette, là. Alors, je comprends pas le packaging de cette palette. Hein. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez du packaging de cette palette, mais
Je le trouve vraiment... Alors... J'adore les packagings, en plus, moi, quand ils sont jolis, quand ils sont un petit peu travaillés et tout. Moi, je suis très sensible au packaging. J'ai quand même mis cette palette-là dans ma wishlist parce que je trouve les teintes super intéressantes. J'ai vu des swatchs de la palette et les fards sont très jolis. J'ai adoré sa palette tout en carton, là. À 46€, non. Je vais peut-être voir, attendre si elle sera pas soldée. Bref, j'ai mise dans ma wishlist. Elle m'intrigue, cette palette. Les teintes, je trouve, sont quand même assez singulières. Et les swatchs, les fards, je vous dis, c'était vraiment très très beau. Je l'ai mis dans ma wishlist, mais à voir. De Tarte, j'ai vu les Sequench Lip Rescue Baume à lèvres. Vous savez qu'en ce moment, je fais, je cherche voilà, des baumes à lèvres très très jolis. Il y a la teinte Coral, qui est absolument magnifique. Le packaging est d'une... Mais c'est tellement joli. Alors là, pour le coup, je suis hyper hyper fan des packagings de ces produits-là. Ça a l'air mais tellement beau. Ce sont des packagings voilà, avec des petites... Mais il y a un packaging et une tortue. Oh, le cherry. Il y a une tortue dessus. Je vous en ai pas encore parlé. Je viens d'acheter un baume à lèvres de Benefit, là. Même type, hein. Je suis en train de chercher. J'aime bien ces produits. Des produits comme ça, actuellement. Ça... D'ailleurs, c'est complètement à la mode, hein, ce type de produit-là. Et j'ai pris une teinte rouge. Donc, cherry, pareil. C'est dommage. Il y a des jolies petites tortues. Il y a des jolies teintes. Hein. Il n'y en a pas énormément. Ce sont des jolies teintes. Simple, efficace. Très, très joli packaging. J'aime beaucoup. C'est frais, ça sent l'été, ça sent la plage. Coquillages et crustacés, j'adore. De Zoeva, il y a un pinceau visage qui me tente énormément, c'est le 118. C'est un gros pinceau, comme le pinceau anti-cerne que je vous ai montré. Quoi. Donc c'est un pinceau pour appliquer les produits liquides ou les produits crème, j'imagine, ça doit être top. La forme un peu biseautée comme ça, il a l'air génial ce pinceau-là. Donc ça, c'est définitivement dans ma wishlist. De Fenty Beauty, on revient chez Fenty Beauty. C'est le Bright Fix Illuminateur Contour des Yeux. Évidemment, ça, c'est sa nouveauté. Donc ça, clairement, je l'avais mis dans ma wishlist dès qu'il est sorti. Je pense que je vais craquer parce que je veux absolument tester ce produit-là. Ça a l'air d'être un produit assez particulier. Effet d'une nuit de sommeil en un claquement de doigts. Bright Fix est un illuminateur et correcteur infusé de complexe Hydra Blend qui hydrate la peau, illumine le teint et estompe instantanément les imperfections. Autant dire que le descriptif, il donne envie. Hein. Couffrance légère, modulable, au fini doux, léger et confortable. Ça, je pense que je vais craquer. De Pat McGrath, il y a ces nouveaux Liquid Lust, donc Divine Rose 2 collection. Ce sont des rouges à lèvres liquides. C'est pareil. Ça, j'avais mis dans ma wishlist. J'aurais bien aimé tester un de ces rouges à lèvres là. De Fenty Skin, décidément. Elle a sorti une crème pour le corps à l'huile fouettée. Donc là, définitivement, entre celle-ci et la crème de sol de Janeiro, il faudra que je fasse un choix. Et je suis hyper indécise. Donc c'est une torture pour moi de devoir choisir. Succomber pour cette crème fouettée, onctueuse pour le corps, sa combinaison décadente de beurre tropicaux fond instantanément sur la peau, tandis que son cocktail envoûtant d'huile ultra luxueuse nourrit intensément la peau. Non mais le descriptif quoi, je suis embêtée. J'ai deux crèmes pour le corps, on verra, mais voilà, il est définitivement dans ma wishlist ce produit-là également. De Drunk Elephant, maintenant j'ai mis plusieurs produits, plusieurs kits en fait. Et c'est vraiment pas donné, hein, ces produits-là. C'est quand même fou. Donc j'ai mis The Little Head Tutus, un kit soin du corps et cheveux. Je me dis, il y a plusieurs produits là-dedans. Ça peut me permettre de tester la marque et d'avoir tout un tas de produits. Et j'ai mis The Little 4.0 coffret soin visage. Donc là, il y a tout un ensemble de soins pour visage. 7 petits produits format mini à 69€ quand même. Le coffret. Voilà! Ensuite, j'ai mis... Oui, oui, c'est pas fini. Ouais. Vous êtes encore là? Merci. Merci d'être encore là. De Milk Makeup. Alors, j'avais été une des rares personnes à ne pas aimer la base Hydro Grip. C'est tout à fait personnel. Encore une fois, voilà, je n'aimais pas la texture collante qu'elle avait. En revanche, apparemment, la brume fixatrice et rafraîchissante semble d'être... Elle semble être géniale. Je me laisserais peut-être tenter par le format voyage de la brume, savoir si ça me conviendrait ou pas. À voir, parce que parfois, rapport quantité-prix, vaut mieux prendre le grand format parfois. Je verrai. Je verrai en tout cas, ça c'est dans ma wishlist. Dans ma wishlist, j'ai mis la poudre. Alors ils mettent Sublime Perfecting Blurring Poudre Matifiante de Pat McGrath. En fait, c'est sa poudre pour le contour des yeux. Mais elle est sortie en jaune, en yellow, voilà.
teinte yellow. Et moi j'ai la teinte un petit peu, j'ai la teinte médium actuellement et j'avais mis dans ma wishlist une teinte un peu plus claire et notamment la teinte yellow. Le jaune c'est pas mal pour le contour des yeux en général, donc j'adore tellement cette poudre que je l'ai mise dans ma wishlist. Après est-ce que je vais craquer, pas sûr. De Huda Beauty, j'ai sa Water Jelly Primer, c'est une base de teint hydratante, elle est dans ma wishlist depuis un bon moment cette base, et je n'ai toujours pas sauté le pas, et je crois qu'elle est bien en plus, c'est tout ce que j'aime, ça a l'air bien ce truc là, et je crois que j'avais aussi sa brume, oui, j'ai la Coco Glow Hydrating Mist, le spray hydratant, voilà, il n'est pas donné 35€, j'avais aimé celui de LF qui coûtait une dizaine d'euros je crois, et je voulais tester celui-là, voir si c'était la même chose. Bon ben je verrai. Et il y a toujours dans ma wishlist depuis longtemps, parce que je crois qu'ils sont, bah ils sont en rupture de stock d'ailleurs, ils sont en rupture de stock, voilà. C'était les Power Chrome Loose Eyes Pigment, ce sont des fards à paupières en mono de NARS, mais ils sont en rupture de stock. De Sephora Collection, il y a des nouveaux petits blushs, on dirait des tubes de gouache. Je les ai mis dans ma wishlist, que voilà, c'est une nouveauté, j'aime bien tester les nouveautés Sephora Collection. Ils sont à 9,99€, effet bonne mine naturelle, écoutez, petite blush tube de gouache comme ça, il y a une jolie teinte Coral Sunrise qui a l'air très belle, pourquoi pas tester ça, je verrai. Et enfin on termine avec celle avec laquelle nous avons commencé la vidéo, Charlotte Tilbury. J'ai toujours le coffret soin visage dans ma wishlist. Ce coffret à 65€ où nous avons la Magic Night Cream, donc la crème de nuit, la Magic Cream en format voyage, 15ml. Bon, je l'ai eu dans le coffret Sephora Favorite, donc du coup c'est peut-être plus très intéressant. Et il y a la Magic Eye Rescue en 15ml, donc ça c'est intéressant quand même. Il est toujours dans ma wishlist ce coffret-là, 65€, voilà, il va encore rester dans ma wishlist, je pense. Voilà, j'en ai terminé avec ma wishlist, on n'est pas à l'abri de voir autre chose arriver. Bref, vous aurez certainement prochainement un haul spécial Weekend Gold, du coup, enfin Dimanche Gold, enfin je sais plus comment ça s'appelle moi ça, du coup. Voilà, vous aurez une vidéo où vous aurez donc mes craquages, puisque j'en profite en général quand il y a ce col de moins 25%. Dites-moi vous sur quoi vous avez craqué ou sur quoi vous voulez craquer, partagez avec moi, on est là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère surtout que vous avez passé un bon moment, et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo avant de partir, merci à tous ceux qui pensent à faire ce tout petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.